This is Seymour Rocks reporting from Down Under. I just want to share something briefly that comes directly from France. I've been very, very kind of concerned about this and what it might all mean, and I'm afraid after this experience, I'm ready to almost completely wipe my hands of the left, who are sort of scathing and even sort of celebrating. I've had words, comments from people saying, "Oh, it doesn't matter. It's just a kind of nest of paedophiles or whatever." So I want to just play something. I don't know who this chap is, what his politics is, although I suspect he's, from the right, which means probably that he's a traditionalist, he's a Catholic, and everything else. In today's febrile atmosphere, that would probably qualify him for being far right. So anyway, let's just play this. Bonjour les amis, ou plutôt bonsoir les amis. L'heure est grave, habituellement je ne fais qu'une vidéo par jour, mais je viens de recevoir un coup de téléphone d'une amie en larmes qui me disait: Pierre, Pierre, Notre-Dame brûle, c'est épouvantable, ils vont tout nous prendre, ils ne veulent rien nous rester. Je vais essayer de rester le plus calme possible devant la rage froide qui m'habite. À l'heure où je vous parle, on n'en sait rien si c'est un accident, si c'est un acte criminel, on n'en sait rien. J'ai envie de dire, si c'est un accident, c'est criminel qu'un accident comme ça ait pu se produire devant un des joyaux de la France, de son histoire. Si c'est un acte criminel, ce n'est que la continuation des actes criminels qui, depuis plusieurs années, touche nos églises, touche notre patrimoine. Je vais faire quelques rappels quand même. En 2018, nous avons eu 1063 actes antichrétiens. Sur ces 1063 actes antichrétiens, deux églises ont été vandalisées par jour. Deux églises vandalisées quand dans le même temps, il n'y a que 100 actes anti-musulmans et par contre 541 actes antisémites. Je rappelle que ce gouvernement, ce régime, y compris d'ailleurs le pape, y compris les cardinaux, la boucle se taise quand nos églises sont vandalisées et que par contre, dès qu'il y a une mosquée qui a un pot de saucisson devant, c'est immédiatement d'abord l'arrestation et l'emprisonnement pour celui qui a fait ça, et en plus la visite du préfet, les excuses de la France, la stigmatisation du racisme, enfin, etc. C'est un deux poids deux mesures absolument insupportable. Je rappelle juste que Notre-Dame de Paris, il y a 2 ou 3 ans, a été vandalisée par les femelles, amies de Caroline Fourest, reçues sur tous les grands plateaux de télévision et dans tous les salons de la République. Notre-Dame vandalisée, de l'urine partout et tout, et ça faisait rire les élites, ça faisait rire nos journalistes, ça faisait rire nos gauchistes, ça faisait rire nos gouvernants qui se taisaient, qui n'ont jamais eu un mot de protestation. Je rappelle que ces mêmes femelles ont été relaxées par une justice qui vient de condamner et qui n'arrête pas de condamner des personnes pour incitation à la haine, quand c'est une autre religion qui est en cause. Je rappelle que notre basilique des Rois, un des fleurons de notre histoire à Saint-Denis, vient d'être vandalisé il y a quelques jours par un clandestin musulman en France depuis 2 jours. Je rappelle que dans la semaine du 12 au 19 mars, 12 églises françaises ont été vandalisées. Je rappelle que des tarés comme Apathy rêvent de raser le château de Versailles quand un Brossard rêve de raser le Sacré-Cœur. Je rappelle que tout ça, c'est le fruit d'un travail méthodique de négation de notre patrimoine, de destruction de notre histoire, de reniement de la France, de déclassement de tout ce que nous avons de beau, de magnifique dans notre histoire. Alors moi, je ne supporte pas ce qui est en train de se passer. Que Macron, ce soir, dise qu'il remet son discours à cause de Notre-Dame, on aurait préféré l'entendre lors des 1063 actes antichrétiens dont il se fout complètement.
mouvement préférant naturellement les autres. Alors oui, la situation est grave, la situation est scandaleuse. C'est un pan de notre histoire qui est en train de brûler. Et moi, j'accuse toutes les collabos d'être responsables de l'incendie de Notre-Dame qui incarne quelque part la destruction de la France contre laquelle ils s'acharnent quotidiennement. Bonne soirée, les amis. On baisse pas les bras. So, here we are. And I just want to finish this off by reminding you of some facts. This is what he talks about in his video. The number of anti-Semitic acts, 541, rose 74% from 2017 to 18, while anti-Muslim attacks numbered just 100, the lowest since 2010. Meanwhile, in the same period, there were 1,063 anti-Christian attacks, a slight increase on the previous year. So, and these are some of the comments which BuzzFeed and others are just calling fake news. This is translation from Arabic on Facebook responses. So there's that one, and this. So they're not exactly sorry to see the cathedral go. So all of this is just fake news, never happened, people didn't say it, it's just Islamophobia to point this out. And of course, nobody is saying that the majority of Muslims are like this. I don't believe that for a moment. But there is this extremist element out there, and that has to be acknowledged. So anyway, that's me from now for the time being.